Je vais vous montrer pour faire du caramel sans eau. De façon à ce que le caramel en fait ne passe pas 15 minutes à cuire. C'est-à-dire que là, le caramel, le sucre, qui va donc carboniser, ne peut se faire que quand il n'y a pas d'eau. On évolue en permanence, c'est-à-dire que le meilleur de France, c'est l'ambassadeur de notre savoir-faire, du savoir-faire du métier avant tout, bien sûr, mais c'est aussi cet état d'esprit de toujours de conquérir. On n'a jamais, c'est jamais abouti. Meilleur de France, ça se travaille tous les jours. On se met un petit peu en danger tous les jours. La glace en fait partie. Quand il fait chaud, comme la semaine dernière, j'étais en Moldavie, il faisait 34 degrés. J'ai fait deux sculptures pour la soirée du 14 juillet. Donc, à 34 degrés, c'est normalement pratiquement, je dirais, inconcevable. Bon, ben là, il faut s'adapter, il faut trouver des solutions. On est monté comme ça, quoi. Meilleur de France, c'est ça. Et encore. On va cuire encore plus fort. Vous voyez, là, la mousse. La transmission, quelque part, c'est non seulement essentiel, mais c'est même indispensable, parce que c'est en transmettant qu'on se remet en cause. Bien souvent, on se met en danger, on ose quelque chose, mais c'est devant témoin. Donc, on ne se donne pas le droit de louper. Alors, on pousse plus loin, en fait, notre connaissance, à chaque fois. Bruxelles. Donc là, vous allez voir que c'est un sorbet qui va foisonner beaucoup, hein, parce que c'est un produit, donc l'ananas a cette particularité, c'est de prendre beaucoup d'air. Ananas, pineapple sorbet. Il m'arrive de donner des cours avec peut-être 6 ou 7 pays différents présents dans la même salle. Alors là, il y a une émulsion extraordinaire qui peut se passer, où chacun amène ses produits. Moi, c'est ce que j'aime dans les cours que je donne en technologie de la glace appliquée, particulièrement, c'est que j'ouvre la porte et chacun amène ses produits, de chacun ses origines. Et puis on va peut-être trouver des carrefours en fait, des connexions avec nos produits français, les produits donc d'autres pays ou entre deux autres pays, mais dans une même salle cette fois-ci, et donc créer ensemble. Et ça, c'est d'une richesse extraordinaire. Donc en fait, c'est un échange. Donc la transmission du savoir, c'est transmettre dans tous les sens, bien sûr, c'est transmettre dans un sens comme dans l'autre. Et puis ça s'arrête pas et ça fait que on continue de rester à la pointe et de pouvoir être dans l'innovation au quotidien. Le partage, ça passe par les nouveaux outils, donc que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, etc. On l'utilise. Les sites, le site internet aussi. Donc j'ai fait en fait trois niveaux différents sur Facebook, avec trois sujets différents, un sujet ultra professionnel, un sujet qui aussi, un autre sujet qui va donc lui retracer un peu tous mes voyages, mes péripéties, et puis un autre sujet qui est donc sur l'historique et puis le témoignage en fait de la glace au travers du monde, des époques et des lieux bien sûr. Instagram, c'est plutôt en effet des produits de l'instant. Le site internet, c'est lui qui nourrit en fait l'ensemble et qui nourrit aussi le désir des gens de pouvoir toucher du doigt un petit peu le métier dans sa version la plus large et la plus aboutie. On imagine. Voilà, ça c'est ce qu'on imagine. Eh bien, voilà.